Bonjour à toutes et tous. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une petite prière devant Saint Benoît, qui est le patron des exorcismes, qui se trouve donc dans l'église de Saint-Germain-des-Prés. Cette prière qui est très intéressante. Voilà. Qui s'appelle donc, c'est le psaume 53, demande de secours contre ceux qui nous veulent du mal. Voilà. Seigneur, secourez-moi et rendez-moi justice. Seigneur, écoutez ma prière. Des ennemis se sont dressés contre moi et ils veulent me prendre la vie. Ils ne me prennent pas Dieu pour appui. Mais voici que le Seigneur vient à mon secours. Frappez mes adversaires et anéantissez-les. Je vous offrirai des sacrifices. Seigneur, et je chanterai vos louanges. Délivrez-moi de toutes mes afflictions et sans peur, je regarderai mes ennemis. Voilà, notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctu. Secoterat in principium et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, secourez spécialement celles qui ont le plus grand besoin de votre miséricorde. Saint Benoît, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Saint Benoît, exaucez notre prière. Bénissez le nom de Saint Benoît. Voilà, il est important aujourd'hui de faire un remerciement, un état de grâce, tout simplement. Donc si vous souhaitez cette prière, demandez-la moi. Voilà, autrement, si vous allez, dans le psautier et vous cherchez le psaume 53, ce sera plus facile. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre prière.